Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, eshwaraya, shiva, Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, thank you.
Kala na janati tava jananam. Kala na janati tava samapanam. Drushto maya tava mahakara yogeshwara kala kala yogeshwara kala kala. Quel est cet autre gars qui chante là dehors? Un petit poème pour vous, intitulé Révolution. Révolution. Evolution seems like an infinitely lazy process. For a mind that is in haste, evolution seems like an infinitely lazy process. For a mind that is in haste, all that is grand and beautiful, a consequence of evolution. All that is grand and beautiful, a consequence of evolution, including the super hasty us, including the super hasty us. Humans in haste have turned everything into mountains of waste. Humans in haste are turning everything into mountains of waste. Time to stop the mindless haste and look at the magic of evolution, where there is nothing that goes waste. Time to stop the mindless haste and look at the magic of evolution, where there is nothing that goes waste. Revolution is a quick turnaround that inevitably gets you back to the very place that you started. Revolution is a quick turnaround that inevitably gets you back to the very place that you started. But no, if there is keenness of attention, if there is keenness of attention, evolution, the greatest revolution. If there is keenness of attention, evolution, the greatest revolution. Well, eh bien. Les trois prochains jours, il y a un couvre-feu dans toutes les cinq villes majeures du Tamil Nadu et quelques autres États de l'Inde ont choisi de continuer le confinement, même si le gouvernement leur a donné le choix de faire ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils estiment nécessaire. Je crois qu'au moins sept ou huit États continuent le confinement. Parce que le confinement a été une réussite pour eux. Ils ont maîtrisé l'infection. Maintenant, ils ne veulent pas perdre ce résultat. Eh bien, Mumbai s'emballe, à la fois en termes de contamination et de victimes, étant donné la densité de population, et la façon dont les gens vivent dans cette ville. Je crois que le pire est à venir. Les États-Unis ont dépassé les 52 000 morts. Toutes sortes de choses insensées sont dites et faites dans ce pays-là, malheureusement. J'espère qu'ils vont arriver à gérer ce qui a besoin d'être fait, car le nombre de victimes augmente très vite. Eh bien, en Europe, des nations comme la France, le Royaume-Uni
l'Espagne et l'Italie sont sous contrôle. Je crois que principalement, ce virus est en train d'exterminer la population âgée, ce qui est un vrai souci. Ceci pourrait avoir lieu partout si on ne fait pas vraiment attention. Eh bien, en même temps, en général, la plupart des nations sont progressivement en train de réussir à au moins contrôler, non pas contrôler le virus, mais à contrôler le comportement humain, afin que le virus ne trouve pas de mode de transport. Donc, voilà où nous en sommes. Ils disent qu'une certaine université, en partenariat avec une entreprise indienne, a trouvé un vaccin qui devrait être prêt dans 3 semaines. On ne sait pas. Mais même s'il est prêt dans 3 semaines, quand pourrez-vous l'administrer à plus de 7 milliards de personnes? Donc, un vaccin pourrait arriver, d'autres sortes de... En ce moment, ils font une sorte de traitement au plasma. Les gens disent que ça donne de bons résultats. Mais il n'en reste pas moins qu'un comportement responsable est la seule façon d'avancer. Et même si des assouplissements ont lieu, nous devons continuer à ce niveau-là. Voilà où nous en sommes. Eh bien, au sujet de l'évolution et de la révolution, ceux qui sont pressés veulent que les choses aient lieu rapidement comme ça. Révolution veut dire faire un tour. Faire un tour signifie que vous revenez au même point. Évoluer signifie aller de l'avant, constamment. C'est la méthode que la nature a employée avec succès. C'est aussi comme ça que nous devrions aller de l'avant. On est un peu pressé. Alors tout, que ce soit notre économie ou les processus sociaux, ou même les processus spirituels tournent mal pour tout un tas de gens, simplement à cause de l'empressement. Si vous avez la capacité de gérer la vitesse, c'est autre chose. L'empressement ne fait pas nécessairement aller vite, parce que être... Pour gérer la vitesse, vous avez besoin de compétences, vous avez besoin de... Je ne sais pas si je devrais dire ça, parce que... C'est OK. Donc j'ai toujours... Vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, « Sadhguru, est-ce que ça vous donne de l'adrénaline d'aller vite ou de conduire vite ?» Pas du tout. Plus je vais vite, ce que je ne fais que quand je suis tout seul, quand je prends vraiment de la vitesse, je deviens absolument immobile, presque. Parce que si vous n'êtes pas équilibré, la vitesse est une chose dangereuse qui est due à l'empressement. Vous essayez d'aller quelque part. Maintenant, comme vous voulez aller quelque part en un temps limité, si vous allez vite, il est toujours possible qu'il se passe quelque chose. Vous allez vite parce que vous êtes comme ça. Parce que vous pouvez gérer la chose, vous n'essayez pas de faire la course avec quelqu'un, vous n'essayez pas de faire une course contre la montre, vous n'essayez pas d'arriver quelque part, mais simplement, en fonction de vos compétences, vous gérez quelque chose. Ça, c'est différent. Cela doit avoir lieu dans chaque aspect de la vie, mais cela n'arrivera pas en se pressant. Ça n'arrivera qu'en étant équilibré. Quand il y a un équilibre absolu, alors nous pouvons faire des choses jusqu'aux limites de nos capacités. Pas comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un est peut-être capable de faire de la magie. Eh bien, nous, on ne fera que des choses ordinaires, mais on les fera bien, du mieux qu'on peut. Donc, cet empressement qui s'est emparé des êtres humains, ces jours-ci, dans toutes les universités où je me rends, au début, je ne connaissais pas l'expression, maintenant, bien sûr, je la connais, ils ont ce problème de FOMO, la peur de rater quelque chose, que quelqu'un d'autre pourrait être en train de s'amuser.
Je suis simplement assis ici à lire un livre, mais quelqu'un d'autre fait peut-être la fête, quelqu'un fait peut-être ceci, quelqu'un fait peut-être cela. Quelle folie! Une fois que ce genre de folie vous prend, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit avec ça, c'est un esclavage. La pire sorte d'esclavage, parce que vous voulez faire tout ce que tout le monde fait. Ça aussi, c'est un problème d'évolution. C'est régresser, pas progresser. C'est un trait de l'évolution qu'ont les singes. Si l'un fait quelque chose, tous les autres font la même chose. Eh bien, ça aussi, c'est un problème de manque d'évolution. Donc, c'est important. Quand on parle de processus spirituel, la chose la plus importante est d'apprendre à être immobile. Alors, l'action n'est plus une chose compulsive. L'action est une chose intentionnelle. Quand je veux agir, j'agis résolument. Autrement, je peux simplement être assis ici. Vous savez, ceci s'est passé. C'était il y a bien longtemps, au début de l'école homeschool. Un jour, j'y suis allé pour voir les enfants. Ils étaient à ce rassemblement du matin. Et là, tous ces petits, vous savez, 6, 7, 8 ans, des enfants de 6 à 8 ans, ils sont assis là, comme ça. Je les regarde et je dis, pourquoi? Pourquoi ces enfants sont-ils tous comme des toupies cassées? Vous savez ce qu'est une toupie? Ça a disparu, n'est-ce pas? Les enfants jouent-ils encore à la toupie? Allô? Il n'y en a plus? Enfin, une toupie doit être bien équilibrée pour la faire tenir comme ça. Vous ne savez même pas si elle tourne ou pas, elle tient comme ça. Si elle est un peu cassée, elle fait comme ça. Donc ces enfants sont comme ça, comme ça. Je dis, qu'est-ce qui arrive à ces enfants? Non, non, ce sont des enfants, Sadhguru, ils sont comme ça. À qui sont ces enfants qui sont comme ça? Donc on a commencé quelque chose d'extrêmement simple. Les 7 notes de musique, sa re ga ma pa da ni sa, 12 minutes par jour le matin. 2 mois plus tard, j'y vais, ils sont tous assis comme ça. C'est tout ce que ça demande. Le problème actuellement, c'est que notre processus d'éducation est pressé. Les gens viennent me demander, Sadhguru, vous savez, aux États-Unis, une femme vient me demander, elle est enceinte de 4 ou 5 mois, elle veut faire, ça a un nom, je ne sais plus quoi, avant d'accoucher, elle veut apprendre quelque chose à l'enfant. Vraiment, ils font ces programmes où vous essayez d'enseigner les maths et d'autres choses à l'enfant en faisant certaines choses, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors je lui dis, voyez, en Inde, il y a 2 bons exemples de personnes qui ont appris quelque chose dans le ventre de leur mère, et tous deux ont été de vrais désastres. L'un d'eux est Ashtavakra. Depuis l'intérieur du ventre de sa mère, il entend ce que dit son père. Il devient érudit et il entre en désaccord avec son père dès ce moment-là. Alors son père le maudit, quelque chose s'est passé ou bien l'apprentissage lui-même l'a déformé. Il est devenu un être humain absolument déformé. Heureusement, il s'est épanoui en quelque chose d'autre parce que son corps était déformé. Un autre est Abhimanyu, le fils d'Arjuna. Lui aussi, dans le ventre de sa mère, il écoute des secrets qui sont racontés. Et il n'en entend que la moitié. Après ça, peut-être qu'elle a bu de l'eau ou autre. Il n'a pas entendu l'autre moitié. Imaginez donc, vous êtes à l'intérieur, vous écoutez. Donc il n'a pas entendu l'autre moitié. Donc sur le champ de bataille, il savait comment pénétrer une certaine formation, mais il ne savait pas comment en sortir et s'est fait tuer de façon terrible.
Donc j'ai dit, voyez, il y a deux exemples dans notre pays. Ces gars qui ont appris depuis l'intérieur du ventre, quel désastre ils sont devenus. C'est ce que vous voulez. Elle est devenue comme ça parce que quelqu'un lui a donné des brochures disant, on peut lui apprendre à en faire un génie des maths, en lui apprenant les maths pendant qu'il est à l'intérieur du ventre. Et d'autres sont sur des bêtises d'apprentissage rapide. Avant qu'ils aient 2 ou 3 ans, on leur enseigne les langues, les maths, ceci, cela. C'est la pire chose que vous puissiez faire, parce que vous êtes pressé. Quand vous êtes pressé comme ça, vous allez tout gâcher, y compris votre vie. La plupart des vies sont gâchées comme ça, parce que tout est pressé. L'école elle-même est pressée. Sans cesse, apprendre tout ceci, apprendre tout cela. Non, il n'y a aucune application profonde, simplement entasser des choses. Donc, partant du même principe, c'est l'éducation moderne qui a causé le désastre écologique, si vous voulez mon avis. Parce que les gens illettrés dans les villages, quelle est leur empreinte sur la planète? Ils vivent, si leur alimentation est bonne, ils vivent bien, et puis un jour ils meurent, sans laisser grand-chose. C'est seulement les gens éduqués, une fois qu'ils vont à l'école, et plus tard, s'ils vont à l'université, ils deviennent une source de gros dégâts pour la planète. Bien sûr, ils font des études d'environnement avant. Donc, cet empressement, s'il disparaît en vous, votre désir de vouloir être devant quelqu'un, fermer les yeux et être simplement assis ici devient très facile. Quelqu'un s'en va, qu'est-ce que ça me fait s'il s'en va? Où est le problème? S'il s'en va, il s'en va. Et puis, tant de gens, un si grand nombre de gens vous ont déjà devancé et sont morts, des générations de gens. Vous voulez les devancer eux aussi? Pourquoi ne pas faire la course avec eux? Vite! Vraiment! Pourquoi ne faites-vous la course avec les vivants? Les morts vous ont devancé, vous devez les dépasser rapidement. Allô? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire avec ce genre d'empressement. Donc, l'un des aspects majeurs du processus spirituel est ceci. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux et vous asseoir, aucun problème. Autrement, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous asseoir un seul instant. Quand vous vous souciez de ce que fait quelqu'un d'autre, vous ne pouvez être assis ici. Vous ne pouvez être assis nulle part. Vous ne saurez jamais ce que c'est qu'est d'être à l'aise. Si vous ne savez pas ce qu'est être à l'aise, savoir ce que c'est d'être en extase, aucune chance. Ce que c'est d'être libre, absolument aucune chance. La toute première chose, c'est de devenir à l'aise. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien dans votre vie. Vous ferez tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez faire, vous le ferez. Mais vous n'avez pas à surpasser quelqu'un. Ce n'est tout simplement pas nécessaire, parce que vous ne pouvez même pas surpasser une fourmi. Pouvez-vous faire ce qu'elle fait? Vous ne pouvez pas faire ce qu'elle fait. Donc, pas besoin d'entrer en compétition. Ces absurdités de compétition, depuis la maternelle ou même avant d'aller à l'école, ils commencent à leur dire, « Je vais te mettre dans la meilleure école, tu dois être premier, tu dois être le meilleur élève. » Donc, tous les autres doivent être moins bons que vous, c'est tout ce que vous souhaitez. Avec ce genre de maladie, oubliez le processus spirituel, même la vie, une vie simple. Les aspects simples de la vie, bien manger, bien dormir, faire des choses dans votre vie, cela non plus n'aura pas lieu. C'est arrivé aux sociétés modernes, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à dormir. Ils doivent prendre un cachet ou boire un verre, autrement ils n'arrivent pas à dormir. Tout un tas de gens en sont arrivés là simplement parce que pressés. L'empressement est une conséquence du fait de toujours vouloir être meilleur qu'un autre. Cette seule chose, si elle disparaît, s'asseoir ici, simplement,
très naturel. Cela ne veut pas dire que le dynamisme de votre vie disparaîtra d'une quelconque manière, jamais. À vrai dire, le repos est la base de toute activité, l'immobilité est la base de tout dynamisme, la création est faite ainsi. À partir de Shiva, tout s'est produit, veut dire que tout n'était rien, et pourtant, à partir de cela, s'est élevé un rugissement ou une série de bangs, ou peu importe, et toute la création a eu lieu. C'est la base de notre existence aussi, encore maintenant. Les choses fondamentales, les gens ne les gèrent pas, mais ils continuent à faire toutes sortes de choses dans leur vie. La chose la plus fondamentale, c'est, vous devez comprendre au moins ça, vous ne pouvez jamais être meilleur que quelqu'un ou pire que quelqu'un, ce n'est que dans votre tête. Vous ne faites que l'inventer. Le besoin désespéré d'être meilleur que quelqu'un est simplement parce que vous n'avez rien trouvé de précieux en vous-même. Rien qui ait de la valeur en vous-même. Autrement, pourquoi voudriez-vous être meilleur que quelqu'un? Simplement parce que rien n'est précieux n'a été trouvé ici, c'est le seul problème. Si vous n'investissez pas dans cette direction, si les êtres humains n'investissent pas dans cette direction, eh bien, nous nous conduirons au désastre. Ce que nous faisons de bien des façons. Au fur et à mesure de l'augmentation de nos capacités avec la technologie et les connaissances scientifiques, vous devez comprendre que la connaissance scientifique aujourd'hui, telle qu'elle est perçue par la plupart, c'est qu'on apprend de plus en plus d'astuces pour exploiter chaque fichue chose dans l'univers. Maintenant, on a les yeux sur Mars. On veut détruire une planète de plus. Comment pourrait-on ne détruire qu'une planète et nous satisfaire de cela? On veut en détruire au moins deux. Mais si on en détruit deux, on voudra en détruire quatre. Et ensuite, ça se multipliera par permutation, comme avec le virus. Au départ, ils ont essayé de trouver cette personne. Comment s'appelle-t-il? Zéro quelque chose. La première personne qui a été infectée. Eh bien, ils ne l'ont pas trouvé. Mais à partir de là, chaque jour, la façon dont ça peut se multiplier, ils ont fait des prédictions mathématiques qui sont délirantes. Donc c'est exactement pareil. Destruction, pas à cause de quoi que ce soit. Destruction simplement du fait d'une incompréhension de la nature fondamentale de notre propre existence. À cause de cela, on endommage tout. On pense qu'on endommage la planète. Non. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on endommage énormément notre propre vie. Rien d'autre. Donc, le virus, le confinement, à partir de demain matin, je crois qu'à partir de minuit aujourd'hui, c'est le couvre-feu, d'accord? Vous pourriez être abattu si vous allez dans la rue. Il y a des images vraiment sympas. Un jeune homme indoor qui voulait exhiber sa voiture de sport et avec un cabriolet, il sort parce qu'il en a envie. Vous savez, ça vrombit un peu, fait du bruit, il attire l'attention. Maintenant, le policier, l'agent de police l'arrête et lui fait tenir ses oreilles et lui fait faire des flexions et des flexions. Il ne le laisse pas tranquille, il dit, non, je vais y aller, d'accord, je suis désolé, rien à faire, allez, continue. Ça passe à la télévision, ce garçon. De toute sa vie, il ne pourra plus monter dans un cabriolet. S'il vous plaît, les questions? Cette question est de Arvind Panigra, de Mumbai. Namaskaram Sadhguru. En ce qui concerne les solutions dont vous avez parlé hier dans le webinaire avec les entrepreneurs, utiliser minimum 4 ans les téléphones, les voitures, etc. Je voudrais savoir s'il n'est pas nécessaire de développer le modèle et de voir ce que ça implique en termes de réduction d'emplois dans ces secteurs et quelles pourraient être les solutions et les options pour gagner sa vie autrement. Oh. Eh bien, hier, nous étions en conférence avec des entrepreneurs. C'est une organisation internationale.
Eh bien, ils m'ont demandé, « Sadhguru, comment avancer ? » De toute façon, le virus a arrêté toutes les affaires pour le moment. Comment ? Nous sommes conscients qu'on devrait faire quelque chose pour ralentir ce qu'on fait, mais comment ? Nous avons une conscience écologique, mais que faire ? J'ai dit, vous pourriez commencer avec des choses simples. Si vous ne le savez pas, dans un pays comme l'Inde, c'est probablement bien pire aux États-Unis. Je n'ai pas les chiffres aux États-Unis. Dans un pays comme l'Inde, 40% des gens qui achètent des téléphones, des smartphones, ne l'utilisent que pendant un an. En ce moment, dans ce pays, il y a plus de 50 crores, c'est-à-dire... Quoi ? 500 millions, n'est-ce pas ? 500 millions. 500 millions de téléphones qui ne sont pas utilisés. Ils sont quelque part dans leur maison. Parce qu'ils ont le dernier modèle, l'ancien modèle, ils ne veulent pas le partager avec qui que ce soit, car s'il y a des informations ou autres, ils ne veulent pas le vendre. Ils ne veulent pas le donner à qui que ce soit, parce que n'importe leurs photos, leurs ceci, cela, sont là, et ils ne savent peut-être pas tout effacer. Il peut y avoir des problèmes. 500 millions de téléphones en Inde ne sont pas utilisés, ils sont quelque part. Pouvez-vous y croire ? Donc j'ai dit, pourquoi ne pas faire une loi ? Si vous achetez un téléphone, pendant 4 ans, vous devez l'utiliser. S'il se casse, vous devez retourner le téléphone cassé. Ou il doit y avoir un moyen de vendre l'ancien téléphone pour que quelqu'un d'autre l'utilise, un téléphone moins cher, ça marche. Toutes les voitures, si vous achetez une voiture, minimum 8 ans, vous devez l'utiliser. Si ça fait trop, on peut fixer ça à 8 ans ou 100 000 km. Quelque chose, je dis. Parce que toute l'industrie manufacturière n'arrête pas de grossir et grossir et grossir et grossir. Vers où ? Jusqu'où ? Quelque part, il doit y avoir une restriction ou l'autre. Maintenant, au moins, on a appris à vivre avec des restrictions. Ce serait mieux de faire des lois. Mais cela doit être fait dans le monde entier. Si, en Inde, vous devez utiliser votre téléphone pendant 4 ans, et qu'au Pakistan, vous pouvez en acheter un quand vous voulez, les gens vont juste aller là-bas. Ils sont comme ça. Dans le monde entier, il faut faire en sorte que les téléphones ne puissent pas être vendus à quelqu'un qui vient juste d'acheter un téléphone. Il ne peut pas acheter un autre téléphone pendant un an ou deux. Il doit attendre parce que son nom, le numéro du téléphone, tout doit être enregistré comme il faut. Si 4 ans c'est trop, très bien, réduisez-le à 3 ans, 2 ans, peu importe. Fixez une durée raisonnable durant laquelle la plupart des téléphones ne se casseront pas. Fixer une durée raisonnable pour toutes les voitures, et ainsi de suite. Ensuite, des choses similaires peuvent être faites avec l'équipement militaire et les choses comme ça. Si vous ne faites pas quelque chose comme ça maintenant, vers où allez-vous vous étendre ? Vers la mort ? C'est tout ce vers quoi on va s'étendre. Nous devons fixer des limites de ce genre sur la production d'acier, d'aluminium, les matériaux principaux. Si vous établissez des restrictions, ça y est. Aujourd'hui, quel que soit votre volume de production, vous ne pouvez pas l'augmenter pour les 25 ans à venir. Vous devez le fixer. Si vous produisez telle quantité d'acier dans ce pays, vous devez vous arrêter ici même. Eh bien, les pays sous-développés, les pays en développement, si vous voulez leur donner une petite marge, vous le pouvez pour qu'ils puissent rattraper leur retard. Mais une fois qu'on atteint un certain point, avec telle population, vous produisez tant, vous devez vous arrêter là. Autrement, les gens vont continuer à utiliser les choses de plus en plus aveuglément. Il n'y a pas de plus ici. Il n'y a pas plus sur cette planète. Seulement telle quantité, quelle qu'elle soit, seulement cela. Eh bien, quand on peut penser à des campagnes, il fut un temps où tout le monde avait 6-8 enfants. Aujourd'hui, tout le monde en est à 2-1, beaucoup choisissent de ne pas en avoir. Je menace même d'établir un prix pour toutes les femmes qui n'auront pas d'enfants dans leur vie. Quand on peut faire ça avec les enfants, pourquoi ne peut-on pas le faire avec un fichu téléphone et une voiture et tout le reste ? Pourquoi pas ? On l'a déjà fait avec les êtres humains dans une certaine mesure. Pas très efficacement, mais on l'a fait raisonnablement.
Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose avec tout si on ne le fait pas? Eh bien, on va courir encore 25, 30 ans et en arriver à un point qui sera pire que ce virus. Vraiment. Les problèmes de changement climatique, quand ils dégénéreront, ce que ça va donner, le gouffre dans lequel on va tomber sera bien pire que le virus. Si vous pensez que le virus ébranle votre vie, quand les problèmes de changement climatique exploseront, vous verrez que le genre de situation auxquelles nous ferons face seront très différentes. Clairement, il doit y avoir aussi une diminution de la population humaine. Tout le monde va penser taux d'emploi, emploi, emploi. Eh bien, plus de gens pourront chanter, danser, faire des fleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Tout le monde ne doit pas être dans une industrie à fabriquer quelque chose. Cela arrive parce que nous nous sommes mis dans ce mode et on a commencé à croire que la vie est comme ça. Il y a 100 ans, personne ne vivait de cette façon sur cette planète. Il y a juste 100 ans. D'accord, il y a 100 ans, ils avaient déjà commencé dans certaines parties du monde. Disons, il y a 200 ans, personne ne vivait comme ça, nulle part. Tout le monde travaillait de son mieux dans ce qu'il faisait, quoi que ce soit. Et les gens vivaient joyeusement et bien. La seule avancée qui est la bienvenue, ce sont les nombreuses avancées médicales qui permettent aux gens de vivre une vie pleine. Plus de technologies, des technologies plus fines, un raffinement des technologies que nous possédons déjà. Sans une certaine amélioration, rien ne peut être commercialisé. Comme n'importe quel idiot peut faire n'importe quoi, tout est commercialisé. Cela doit s'arrêter. Est-ce que ce monde en a besoin? Est-ce qu'on peut se le permettre ou pas? Ça doit être décidé, n'est-ce pas? Oui, certaines lois sont là pour le contrôler, mais pas suffisamment. Le temps du virus est au moins une bonne opportunité d'y réfléchir. Ensuite, évidemment, les gens vont dire, « Sadhguru, vous en rajoutez une couche, nous souffrons déjà, on ne sait pas comment gérer notre affaire, on ne sait pas comment offrir des emplois, maintenant vous nous dites qu'on doit réduire la production et faire ça. » Eh bien, pas moi, la nature vous le dit clairement, vous feriez mieux de comprendre le message, c'est tout ce que je dis. Cela est arrivé. Un jour, un homme décharge une très grosse horloge de grand-père d'un camion et avec grande difficulté, il la porte sur son dos et se dirige vers son immeuble. Un ivrogne arrive, voit ça et dit, « Hey, monsieur, il est temps que vous achetiez une montre. » Il est temps qu'on s'achète une montre. Nous portons de si grosses choses pour des processus simples. Il est temps qu'on réduise cela. Je veux dire, regardez simplement ça. Si vous ne l'avez pas vu de vos yeux, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour ça, mais regardez, disons que vous regardez un film hollywoodien des années 70 ou 60. Vous avez vu ces fichues voitures? À partir de cette voiture, vous pouvez en faire 5, c'est la quantité de métal qu'il y avait dans une voiture. Allô? Elles sont construites comme des vaisseaux. Maintenant, on fait probablement 2-3 voitures avec la même quantité de métal. Ça, c'est une amélioration, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça nous prend 50-60 ans pour y arriver? On a assez de cervelle et assez de design, assez de compétences pour nous asseoir maintenant et en faire une réalité dans les 3 prochaines années. Tout ce qui peut être raffiné et minimalisé peut être fait maintenant. Cela, en soi, vous donnera énormément d'emplois. Cela veut dire que tout le monde doit s'appliquer à devenir un peu plus ingénieux avec leur vie. C'est bon pour votre cerveau aussi. C'est bon pour le monde aussi. C'est bon pour la planète. C'est très bon. L'une des plus grandes satisfactions qu'un être humain peut connaître, c'est quand vous trouvez quelque chose d'intelligent, peut-être une chose simple, comme accrocher une photo au mur. Tout le monde galérait, vous avez une idée simple et nouvelle. Waouh, vous allez vivre avec ça pendant longtemps. Oui, parce que quand physiquement vous... Voyez, en ce moment, certaines personnes se plaignaient. Pourquoi les joueurs de foot sont-ils mieux payés plus que les chercheurs en sciences?
Si on avait investi ce qu'on investit dans un Ronaldo ou un Messi, dans les sciences, on n'aurait pas ce virus. Ce n'est pas vrai. C'est seulement parce qu'on a trop investi dans la science. La raison pour laquelle les gens les paient comme ils les paient, et la raison pour laquelle les gens les regardent comme ils les regardent, c'est parce que leur corps fait quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer possible pour votre propre corps. Vos yeux sortaient de leurs orbites quand vous regardiez jouer un Ronaldinho, parce qu'il fait quelque chose dont vous ne pouvez même pas rêver. Que vous utilisiez votre corps physique comme ça, ou que vous utilisiez votre mental comme ça, que vous fassiez l'un ou l'autre, il y a une satisfaction et un épanouissement immense dans votre vie. Je dis que je ne parle pas de processus spirituel, c'est une autre dimension, pour quelqu'un qui mène une vie simple. Pourquoi ce golf est-il si important? Parce que dans tous les autres jeux, vous jouez avec quelqu'un. Si vous vous en sortez mal, vous pouvez toujours dire quelque chose à propos de l'autre. Là, on a une bête balle inerte. Je ne suis pas censé vous dire ça, mais je vous le dirai dans quelques jours. J'ai fait quelque chose pour ça, maintenant. C'est une balle inerte. Mais une fichue balle inerte ne suit pas vos instructions. Elle part comme ci, elle part comme ça. Donc quand quelqu'un, Tiger Woods ou un autre joue, tout le monde écarquille les yeux parce qu'il amène la balle où il veut. C'est tout. Que fait-il d'autre? La balle va juste là où il veut qu'elle aille. C'est tout. Donc simplement, quand le corps fonctionne comme vous le souhaitez, il y a un profond sentiment d'accomplissement. Quand votre mental fonctionne comme vous le souhaitez, il y a un très profond sentiment d'accomplissement. Donc, il n'y a que quand vous rendez tout automatique, aller là, faire 8 heures, rentrer à la maison, on peut boire un coup, fin du mois, toucher le salaire. Quel genre de vie est-ce donc? Vous savez, quand j'étais jeune, mon père s'inquiétait toujours. On vient de le perdre, il y a quelques mois. Il s'inquiétait toujours. Ce garçon ne se forme à rien, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Comment va-t-il gagner sa vie? Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Comment gagner ma vie? Je trouvais ça obscène. Comment gagner ma vie? Une telle pensée ne m'est jamais venue à l'esprit. Je suis allé à l'école, à l'université, pour peu importe, mon intérêt, mais jamais pour trouver comment gagner ma vie. Donc, quand j'ai choisi ce genre d'éducation qui n'allait à coup sûr pas m'apporter d'emploi ou que ce soit, donc ils étaient très inquiets. Alors un jour, il était vraiment très inquiet et certains membres de la famille étaient là et il a dit « Que faire avec ce garçon? Il ne se forme à rien. » Alors j'ai dit « Ne... t'inquiète pas pour moi, la façon dont je vais gagner ma vie. Dis-moi quand je dois quitter cette maison. Dès que tu le diras, en 2 minutes, je serai parti. Et ne t'inquiète pas pour moi, je vivrai quelque part. S'il n'y a rien d'autre, j'irai dans la jungle et je survivrai. Parce que j'ai parcouru les Ghâts occidentaux, je sais où vivre, où survivre. Sans même voir un visage humain, je survivrai. Aucun problème à ce niveau-là. Et par-dessus tout, comme je ne suis qualifié pour rien, ça veut dire que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Maintenant, cela peut paraître arrogant, mais ce n'est pas une question d'arrogance, ce n'est pas une question de talent particulier, c'est juste que c'est exactement ce qu'être humain veut dire, que, vous savez, avec nos programmes Insight et autres, on a changé ça, et même à l'ashram, on n'utilise plus l'expression « ressources humaines ». Ressource signifie que c'est une quantité fixe. Un être humain n'est pas une quantité fixe. Si il ou elle est une quantité fixe, que puis-je faire avec eux?
Si elle est déjà fixée par leur génétique, ou leur culture, ou leur satané Dieu, que c'est tout ce qu'ils seront, alors que vais-je faire avec eux? Comme je vois les êtres humains comme un potentiel, c'est la raison pour laquelle j'investis ma vie en eux. Autrement, pourquoi? À quoi bon s'ils ne sont pas un potentiel? Donc on est passé de ressources humaines à potentiel humain. C'est très facile, pour le R, on a juste remplacé une lettre. C'est PH maintenant. À l'ashram, le département n'est plus appelé RH, il s'appelle PH, potentiel humain. Parce que un humain est un potentiel. Jusqu'où allez-vous explorer cela? Là est la question. Donc, quelque part, à partir de ce potentiel humain, on a seulement regardé comment faire plus. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit d'en faire plus en termes de profondeur, pas seulement en termes de quantité. On est passé à la production de masse dans le monde. Toutes les belles choses ont disparu. Ce pays a encore conservé de l'artisanat, faire des choses. Vous savez, chaque vêtement, chacun d'entre eux, chaque mètre de ce que fait un tisserand est unique et différent. Mais maintenant, ça sort d'une machine, et le gars qui se tient debout là ne fait qu'ajouter un peu d'huile ou un peu de colorant et il est juste debout là et il n'a aucune application, rien. Nous avons rendu le monde ainsi parce que quelqu'un veut plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, c'est tout. Tout le monde parle de milliards et de milliards. Je vous le dis, même si je vous donne encore 100 ans de votre vie, disons que vous avez 50, 60 ans, on va vous donner 100 ans de plus. Qu'allez-vous faire avec 100 milliards de dollars? Qu'allez-vous faire, je demande? Juste des âneries. Mais ils vont dire, je ferai de la philanthropie. Mais pourquoi? Pourquoi s'en emparer pour ensuite le redonner? Je ne critique pas ceux qui le font. Je suis content qu'au moins eux le fassent, d'autres l'enterrent dans leur tombe et s'en vont. Vous avez vu ces rois et ces pharaons égyptiens et d'autres? Ils ont enterré d'énormes quantités d'or et de trucs dans leur tombe, en pensant qu'ils en auraient besoin ailleurs. Au moins, cela essaie de rendre. C'est devenu tendance. J'ai dit, pourquoi prendre plus que ce dont vous avez besoin, puis redonner? Cette habitude culturelle, si on la change, on peut tout changer. Que faire avec 7,6 milliards de personnes? Il y a beaucoup de belles choses à faire. Il n'est pas obligatoire de juste continuer à mettre plus d'automobiles, plus... Au moins, décidons. Combien de personnes devraient exister sur cette planète? Combien d'automobiles devraient exister? Combien de fichus téléphones devraient exister? Combien de toutes les autres machines devraient exister? Au moins, asseyons-nous tous et fixons une limite. Il ne peut y en avoir que tant. Autrement, en ce moment, c'est ce qui se passe dans toutes les villes indiennes. On a plus de voitures que de routes. Oui. Si toutes les voitures sortent dans la rue, on n'a pas assez de rues. Mais on a des voitures. Et on regarde l'économie, les ventes de voitures progressent, donc on s'en sort super, super. Au moins, conduisez une moto comme moi. Vous utilisez moitié moins d'espace, au moins. Ce que je dis, c'est qu'on doit faire une chose ou l'autre. D'une manière ou d'une autre, nous devons voir comment occuper moins d'espace, chaque être humain individuel. En ce moment, distanciation, vous occupez plus d'espace, d'accord? La distanciation sociale, c'est bien. Mais si on ne cherche pas comment consommer moins, si on continue à penser... Parce que les gens en parlent, certains d'entre eux qui sont des dirigeants politiques élus, quand je leur en ai parlé, ils disent « Non, nous devons augmenter la population parce que nous aurons une main-d'œuvre très jeune, notre économie va croître. Qu'allez-vous faire avec la fichue économie ?» Disons que dans ce pays, au lieu d'un milliard de personnes, ça passe à 2 milliards de personnes en je ne sais combien d'années. Après ça, pourrez-vous vivre ici? Vous pouvez faire tous les arrangements que vous voulez. Vous pouvez construire un appartement de 500 étages. Mais est-ce comme ça qu'on vit? Pourquoi ne peut-on pas gérer les choses consciemment, que ce soit la population humaine, la population téléphonique, la population automobile, la population informatique? Combien devrait-il y en avoir?
Quel serait un nombre raisonnable? Nous devons le définir. Ce virus, on dirait qu'il nous apporte un certain bon sens. Nous devons utiliser ce temps pour au moins commencer à réfléchir. Je sais que ça n'aura pas lieu du jour au lendemain, mais au moins, nous devrions commencer à réfléchir en ce sens. Où essayons-nous d'aller? Où essayons-nous d'aller? Le virus vous dit, à tout moment, je peux t'avoir. D'accord? Où essayons-nous d'aller? Oui, nous devons faire des choses. En tant qu'êtres humains, nous voulons faire beaucoup de choses, c'est bien. Mais quand on sait qu'on va droit vers notre destruction, n'est-il pas temps de s'arrêter et de regarder? Il nous a de toute façon stoppés dans notre élan. Lentement, je crois que toutes les personnes agitées commencent lentement à profiter du calme de leur vie. Cela ressemble à ça. D'après les réactions que je vois autour de moi, au départ, ils étaient tous comme ça. Maintenant, on dirait qu'ils sont un peu plus posés. Donc, tous les ans, je pense que des confinements volontaires doivent avoir lieu dans le monde entier. Vous savez, pas besoin d'un virus pour nous y forcer, simplement, le monde entier, 3 semaines de confinement. Vous n'êtes pas obligé de rester chez vous, vous pouvez vous déplacer. Pas de machine, pas de fumée, qu'elle vienne du moteur ou de celui-ci, pas de fumée. Et juste comme ça, chacun se consacre à améliorer sa vie à n'importe quel niveau qui est important pour vous, physiquement, mentalement, énergétiquement, spirituellement, comme vous le souhaitez. 3 semaines pour que chacun améliore sa vie. Quelle grande différence ça va faire, vous savez? À l'heure actuelle, au rythme où vont les choses, la quantité de bâtiments qu'on a construits, les infrastructures qu'on a construites, disons les établissements d'enseignement, je n'ai jamais compris pourquoi. C'est pour ça que j'y allais rarement, même quand j'y étais, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tout le monde vient s'asseoir dans une pièce pour écouter un homme lire un livre. Je n'ai jamais réussi à comprendre cette activité, donc je restais toujours assis dehors dans le jardin. Donc, tout le monde s'y met, combien de millions et de millions et de millions de mètres carrés de bâtiments avons-nous construit pour éduquer les gens? Eh bien, à une époque, on pensait que c'était nécessaire parce qu'on était dans un mode de production de masse, industrie de masse, éducation de masse, tout produit en masse. Maintenant, les connaissances ou l'information sont disponibles partout. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un pour inspirer les êtres humains à tendre vers quelque chose qui compte pour eux dans leur vie. C'est tout ce dont on a besoin. L'information est partout. Oh, mais si je n'obtiens pas mon diplôme, vous pouvez ajouter un zéro à votre tête, c'est un diplôme, vous savez. Si vous savez quoi faire, si vous êtes bien informé, et cette information vous l'avez bien assimilée et vous pouvez en faire quelque chose, c'est suffisant. Pourquoi devriez-vous recevoir un certificat pour tout? Eh bien, pour certaines choses, c'est nécessaire. Pour certaines fonctions, dans certains domaines de la vie, c'est nécessaire. Mais il est temps de réfléchir à cela. Les enfants peuvent aller à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Après ça, ont-ils besoin d'aller à l'école ou non? C'est une chose à laquelle nous devons sérieusement réfléchir, parce que cette école et la méthodologie de l'éducation sont un défaut grave dans la société humaine. C'est à cause de ce défaut que toutes ces autres choses ont lieu. En tout, essayer d'être meilleur que quelqu'un est principalement produit à l'école. Essentiellement, c'est produit à l'école. Et ensuite, à bien plus grande échelle, ça a lieu ailleurs, ça s'exprime dans le monde. Il est important que, vous savez, quelques parents aux États-Unis le font, mais très peu. Ils font l'école à domicile. Eh bien, si vous voulez avoir 2 ou 3 enfants, vous devez aussi vous engager à apporter, vous savez,
leur consacrer de votre temps. Maintenant, vous produisez des enfants, les jetez à l'école une fois par an ou deux fois par an, vous les voyez. Eh bien, en ce moment, c'est organisé ainsi. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais il est temps de s'en éloigner, car il fut un temps où il n'y avait qu'un seul livre. Ceux qui étaient assez entreprenants à l'époque, avec un livre, ils ont commencé les religions et ça marche bien. Maintenant, vous ne pouvez pas démarrer une nouvelle religion, sachez-le, ça ne fonctionne plus. Vous aviez juste un livre, ça suffit. Parce que seul vous pouvez le lire, personne d'autre ne peut le lire. Seul vous saviez le lire. Quoi que vous lisiez, tout le monde pensait, c'est fantastique. En regardant un bout de papier plat, vous disiez tellement de choses, les gens étaient tout excités. Ces temps sont révolus, c'est bon. On va vous pardonner pour ce que vous avez fait à cette époque, plus maintenant. Maintenant, il y a suffisamment d'informations partout, accessibles à tous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un être humain inspiré. Un être humain inspiré veut dire que son corps, son mental, ses émotions, son énergie, tout est à fond. Cet être humain, s'il est également équilibré en lui-même, il va faire des choses merveilleuses, naturellement. Cette usine à éducation, cette usine à production, à tout, cela doit... ça ne va pas disparaître, ça prendra des siècles à partir. Mais nous devons commencer à la ralentir. On doit commencer... au moins ceux qui ont un peu de discernement devraient commencer à s'éloigner de cela. Autrement, cette révolution industrielle, nous allons revenir... révolution signifie boum, même point, même endroit. Nous avons besoin d'évolution. À nous de jouer. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuta Shambho, Shambho.